Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous emmener avec moi toute cette journée. Donc ce matin, je vais plier mon linge, m'en prendre le petit déj. Et ensuite, normalement, je devrais partir parce que j'ai rendez-vous à midi et demi avec des copinettes. Et puis j'espère qu'elles vont accepter d'être filmées. Donc comme ça, je vais vous faire montrer ce que l'on va faire cette journée. Donc normalement, on doit déjeuner ensemble. Ensuite, on doit aller faire du shopping chez Action. On doit faire un petit tour parce qu'on doit rencontrer quelques personnes pour égayer un peu notre journée. Donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo. À de suite! J'ai fini la plupart de mes pochettes. Là, il est 11h20. Je vais commencer à me préparer. Là, j'ai abîmé une feuille. Je suis deg. Donc, je vais voir si je peux pas rattraper le coup. Et comme par hasard, c'est la dernière feuille, hein. Donc, voilà. Par contre, je vais charger mon téléphone. Donc, c'est pas sûr que je me filme dans la préparation. Surtout pour le make-up. Donc, on verra. Le temps que je me prépare, je vais charger le téléphone et ensuite make-up. À de suite. Coucou, en fait, désolé, j'ai pas eu le temps de vous filmer au moment du make-up. Donc voilà le résultat, quoi. Pas grand-chose de fait, pas grand-chose de fait. Donc là, c'est direction Action sur le parking pour retrouver les filles. D'ailleurs, en plus, j'ai oublié leur cadeau. Donc je reviens. Donc voilà, c'est fait. Je suis allée récupérer leur petit cadeau. Donc, voilà, c'est les fameux spots que je vous avais fait montrer dans mes hauls nose, je crois. Donc là, ça va être la course parce qu'en fait, il est midi 6 et on a rendez-vous à midi et demi là-bas. Et on va aller manger un petit bout. Donc elles ont accepté que je les filme durant cette journée. Donc au programme, on va aller manger. Ensuite, on va faire un peu de shopping à Action. Donc on va voir un peu ce qu'il y a. Vu que toute cette semaine j'ai passé mon temps à Action pour chercher ces fameux tampons et ces clear stamps et ces dyes. Donc on se retrouve là-bas. À de suite. Donc là, je suis au stop, il est midi 28, dans 2 minutes, il va être 30 et je viens de me rappeler que là, au centre commercial où est placé Action, donc on a rendez-vous avec des copines sur le parking de Action, c'est la grande braderie, c'est le week-end de la grande braderie, donc ça doit être fou là. Ok. C'est sûr que l'on va trouver une place côte à côte. Donc en fait, ces filles, c'est tout simplement mes modératrices de mon groupe Facebook. Action Rhône-Alpes Co. Voilà. Donc là, on a rendez-vous sur le parking. Alors je suppose qu'elles doivent être là. Là, il est 29, donc c'est moi qui suis à la bourre. Je pensais quitter chez moi à 20... je pensais quitter chez moi à midi pile pour être ici. Sauf que ça n'a pas fait. En plus, là, la place de parking, oh punaise, ils ont des jeux et tout à cause de cette braderie-là, donc il n'y a pas de place. Je vais un peu galérer, donc j'espère qu'elles sont là avant moi, comme ça je vais me garer juste à côté d'elles. Donc après, je vous dirai ça si je les vois, parce que ça va être la galère pour trouver de la place, vu que les parkings sont pris pour l'espèce de braderie. Allez, j'espère que je vais les trouver, parce que alors là, on s'est donné rendez-vous au parking. Donc ça va être chaud, chaud, bouillant, chaud, bouillant, chaud, bouillant. Donc à moi de trouver une petite place. Ah ben il y en a une qui s'est barrée, donc je vais prendre sa place. Et on voit ça après. Voilà. Donc
contente. Je vais rencontrer une modératrice que j'avais jamais vue avant. Bon, voilà, voilà. Donc, je vous dis à de suite. J'ai oublié de filmer depuis ce matin. Alors, normalement, je devrais mettre une musique. Alors, je sais pas. Non, je vais pas mettre une musique. Donc là, on est au resto. Je sais pas comment ça s'appelle, mais tout à l'heure, je vous ai montré. Et on va déjeuner avec les copinettes. Voilà, ben peut-être que Lily est revenue. Et... Ouais, ben 2, 4, 6, 8, 10, 12, il y en a 12. Ah, elle est trop laid là. Ah, ça va, il n'y a pas beaucoup de monde. Enfin, il n'y a pas beaucoup de monde, tant mieux. Voilà de retour de ma superbe après-midi. Franchement, j'ai passé une superbe après-midi. Là, les dernières images que vous avez vues, c'était Action. Donc, on est rentré dans Action. On a fait un peu le tour avec les copinettes. On a beaucoup papoté. Et puis, de gros bisous à David. Parce que je sais que maintenant, tu regardes mes vidéos. Alors, David, c'est le gérant actuel de Action Tigneux. Et on a pas mal papoté parce qu'on avait plein de choses à lui demander. Donc, voilà. Sinon, donc bien sûr, hein, on ne sort pas de l'action les mains vides. Alors, je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai eu. Si je l'ai pris en tête, je vous dirai, mais je pense que je n'ai pas du tout les prix en tête. J'ai pris comme ça et je n'ai pas pris grand-chose. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier Sandra, donc une modératrice de mon groupe Action Rhône-Alpes & Co. Et puis ma deuxième modératrice, Sophie, grâce à qui j'ai pu avoir ces fameux pochoirs. Donc, vous avez celui-là. Alors, derrière, vous avez ça, en fait, derrière. C'est ça que vous allez bien voir. Donc, voilà. Et j'ai toute la collection. Je suis trop contente. Je sais que ce que Sandra m'a donné, c'est grâce à un de mes membres qui est dans mon groupe. Donc, Amoury, si tu passes par là, plein de bisous, parce que c'est grâce à toi qu'on a pu les avoir. Donc, voilà. Voilà, alors celui-là est tip top. Alors, ce sont que des pochoirs. Maintenant, comment les utiliser, je ne sais pas. Donc, j'espère que je vais trouver une des filles sur YouTube qui pourra en faire et comment elle les a utilisées. Donc, on verra. Et puis, voici le dernier. Donc, c'est le fameux pochoir que Sandra m'a ramené grâce à Amoury, le membre de mon groupe. Donc, je suis vraiment, mais vraiment contente de les avoir parce que je pense que sans ces filles-là et sans Amoury, je ne les aurais pas eues. Et puis grâce aussi à certaines filles de mon groupe comme Cid et Sidera, ce sont des sœurs grâce à qui aussi on les a eues. Alors, on va commencer mon haul. J'ai pris des sets de table. Voilà, flamant rose, papillon, hein, ça sent l'été. Et puis voilà, tout ce qu'il y avait. C'est celui-là que j'ai. Après le prix, je sais pas, je verrai, peut-être je vous mettrai le prix sur l'écran. Mais sachez fraîcheur que je prends comme d'habitude. J'ai pris des sacs poubelles à la lavande. J'ai repris les gros sacs poubelles. Les fameux lingettes déodorants que je vois sur YouTube en ce moment. Donc ça c'est tip top pour mettre dans le sac, puisqu'elles sont à l'unité. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris, mon mari voulait que je prenne de la lessive pour la vaisselle. J'ai pris celui-là, je ne connais pas. 99 centimes, ça sent bon. D'ailleurs, dans la voiture, ça m'a tout dégueulassé le siège parce que ça a coulé. C'est comme une idiote, j'ai ouvert et j'ai oublié de refermer. Mais sinon, ça sent super bon et j'espère que ça va faire son travail. Ensuite, j'ai trouvé enfin les fameux masques. Par contre, moi, je cherche les autres, ceux qui moussent, et puis un autre, je crois qu'il est bleu. Alors, il y en a un rose, il y en a un bleu. Enfin, bref, je m'en fous des couleurs. Alors, c'est celui-là. J'ai hâte de le tester. Demain, normalement, on le teste avec mon mari. Je ne sais pas si je ferai une vidéo, on verra. C'est juste pour passer un bon moment avec mon mari, donc on verra. Et puis, pour terminer, j'ai pris ça. C'est le fameux truc pour les lettres, normalement.
Voilà, donc là, vous avez un petit tiroir. Voilà. Et puis plein de rangements. Et en fait, c'est pour ranger mes palettes. Voilà, les palettes de maquillage de chez Action. Ensuite, Donc la journée n'a pas été finie. J'ai fait direction Nose avec ma copinette pour avoir les brosses. Les brosses lissantes qu'ils vont recevoir, donc il n'y en avait pas. Et puis, à mon retour dans la ville où je suis, il y a... un autre Nose. Donc je me suis arrêtée et j'ai trouvé plein de petits trucs de scrapbooking. Donc... J'ai trouvé pour le scrapbooking, j'ai trouvé des tampons. Donc là, c'est un journaling. Donc en fait, normalement, il y a tous ces tampons-là. Il est à 1,99€. Ensuite, j'ai trouvé un autre, toujours à 1,99€. Là, c'est plein de petits cœurs. J'ai trouvé plein de petites attaches pour les mini-albums. Donc voilà, donc là, en l'occurrence, c'est du vert. Il y a d'autres couleurs, mais dans ce Nose-là, il y avait du vert. Je sais que dans les autres Nose, ce n'est pas les mêmes couleurs. Pour terminer, j'ai pris ça. Alors, ce sont des petites boîtes. Voilà. À l'intérieur, vous avez des attaches parisiennes. En l'occurrence, ici, ce sont des cœurs. Et là aussi, dans les différents Nose qui ont eu cet arrivage-là, ce n'est pas la même chose qu'il y a dedans. Hein. Mais moi, en fait, c'est pas ça du tout qui m'intéresse. Les attaches parisiennes, je m'en fous royalement. C'est vraiment la boîte qui m'intéresse. Donc là, il y a un plastoc, il faut que je réussisse à enlever. Et en fait, ça, c'est magnétique. La boîte est magnétique. C'est le genre de boîte à épices que vous mettez sur les frigos. C'est le même système. Donc voilà, sauf que moi, j'aimerais bien mettre mes trucs de scrapbooking à l'intérieur. Donc voilà, moi, j'ai retrouvé mes enfants. Hein. Mon mari, il n'est pas mort. Parce que j'ai passé toute l'après-midi avec mes copinettes. C'était super agréable. Les filles, encore merci pour cette journée. C'était tip top. En fait, c'est ma toute première sortie sans mes enfants depuis qu'ils sont nés. Depuis qu'ils sont nés, c'est ma toute première sortie. Et voilà, j'étais trop contente. C'est vrai, je pensais beaucoup à mes enfants, mais voilà quoi, à un moment donné, il faut un peu lâcher prise, et puis c'était super agréable, vraiment agréable, et c'est une chose à refaire. Bon, en fin de compte, mon mari va faire un barbecue ce soir, enfin un barbecue, une plancha, donc nous, on va se diriger au magasin pour prendre de quoi à cuisinage. Bien, bien. Donc, vu que mon mari ne veut pas apparaître dans les vidéos, je suis obligée de faire ça. Elle est en train de tirer la langue, genre comme ça on le voit. Quoi. Bref, alors là, nous, on va aller direction Intermarché ou j'en sais rien en fait où on va. On va où? Mike, tu peux parler? Genre, donc là, on va où? Donc on va à Intermarché. Alors, je suppose que c'est moi qui vais conduire. Donc normalement on doit partir à Intermarché comme je vous l'avais dit, sauf que mon fiston il a fait un, comment dire, un gros caca. Donc là on est en train d'attendre monsieur, là j'ai que ma puce derrière. Coucou Vemiti, chérie, coucou Vemiti. Donc voilà, on attend mon mari et mon fils. Ouais, on va aller acheter de quoi faire une petite plancha. J'ai trop hâte d'aller au magasin. Ça fait bizarre en fait de passer une journée comme ça sans les enfants, ça fait trop bizarre. Mais je suis contente quand même d'avoir passé cette journée-là. Donc voilà, on attend mon mari. À tout de suite. Mais c'est pour ça qu'il y en a trop là. 3 euros les pains de. Les pains au lait, il y en a 20.
Mon mari, il regarde la glace, c'est 2,69€. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime bien manger la glace avec les cornets, quoi. Mon mari, il aime bien ça, moi, non. Mais Mithy, tu laisses ça? Alors, ma fille, elle aime bien toucher comme ça. Mélange de crudité, 1,95€. Là, je crois que ce soir, j'ai la flemme de faire de la salade. Je crois que je vais prendre ça pour 1,95€. Ou sinon, les carottes, je vais prendre ça. Bon, on est venu chercher de la viande. Donc là, il y a de quoi faire des barbecues. Donc là, on se dirige vers les caisses. Quoi, on prend quelque chose pour Bill? Donc on doit prendre quelque chose pour mon chat. Donc on est dans le rayon des animaux. Sur Canayou, on a du pourcentage avec la carte. Autant en profiter. Ah, mais est-ce qu'il mange Canayou? C'est ça le sousaï. Bah regarde, regarde en haut là, c'est combien ça? Regarde ça. Ça, il va manger le Félix. À 6,76€, il y a une promotion dessus. Et on a 24 aussi. Donc là, direction la caisse. Qui viennent acheter des melons à Intermarché, voilà. C'est pour une association, pour acheter, vous achetez des melons et puis voilà. C'est pour une association. Donc en cas où ça peut aider. Donc là, on va à la voiture. Après, normalement, on doit rentrer. Moi, je dois faire du riz. Mon monsieur, il doit cuisinage. Donc on a pris quoi? Melon, chipolata, merguez, de la glace, une salade, du Pepsi. Mon mari est en train de frapper à la porte de la voiture pour que j'ouvre du riz, de la nourriture pour mon chat et des pop-corn. Et là ma fille, elle est en train de jouer au ballon avec le melon, ça va être tip-top. Alors, changement de programme ce soir. En fin de compte, on devait faire une plancha, ça va être un truc tout simple. On a fait une boîte, ça va être saucisse lentille avec du riz. Voilà, je ne sais même pas si on voit. Bref, il n'y a pas plus parce que c'est ce qu'ils ont mangé à midi. Donc voilà. Ensuite, ça va aller vite. Là, ça va être douche des jumeaux. Et puis, après, ça va être notre soirée. Là, je suis claquée en fait. Donc voilà, je pense qu'on va terminer la vidéo là. Il va me rester à faire le montage et à vous la diffuser. Donc moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à cocher la petite cloche pour ne pas louper une de mes vidéos. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Maman. Ciao. Maman. Oui. Maman. Oui. Tata. Ciao, ciao.